Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée s'il y a des bruits ambiants de mes chiens qui aboient. Et si je parle pas fort parce que je viens de me réveiller, enfin il y a 1 heure. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour une vidéo où je vais répondre à vos préjugés sur moi en me maquillant. Je sais que je fais les challenges genre 3-4 mois plus tard. J'attendais le bon moment, je sais pas, j'avais envie de le faire maintenant. Et si jamais ça ne vous intéresse pas, je vous oblige pas à regarder la vidéo en entier. Vous pouvez faire autre chose en même temps, vous pouvez vous maquiller. Travailler, faire autre chose en même temps, parce que moi c'est ce que je fais quand je regarde ce genre de vidéos. Et vous pouvez aussi ne pas trop regarder ma tête actuelle, qui est le visage d'une déterrée, d'une fille qui est dans sa mauvaise période du mois. Et voilà, ceci explique cela. J'ai fait des masques hier, j'ai tout fait, mais je me suis réveillée ce matin, j'avais la même tête. Donc je suis pas totalement coiffée non plus, hein, mais ça je le ferai après. Donc là je vais passer en mode dégueu, où je vais pousser ma frange sur le côté avec des petites pinces pour avoir le visage dégagé. Et donc dans cette vidéo je vais pas vraiment vous dire ce que j'utilise, hein, parce que comme je vais parler en même temps, si je m'arrête à chaque fois pour vous montrer ce que j'utilise, si jamais vous êtes intrigué par un truc en particulier, je mettrai tout dans la barre d'infos. Mais je vais pas dire dans cette vidéo alors là j'utilise ça, je vais juste enchaîner puisque je dois aussi aller vite parce que j'ai des courses à faire et j'ai un anniversaire où je dois aller. Anniversaire de une de mes plus proches amies, Anne-Laure, si tu passes par là. Sache que ça, je vais cette tête-là avant de venir à ton anniversaire. Alors du coup, cette histoire de préjugés, au début j'aimais pas du tout ce principe-là. J'étais là, c'est trop une vidéo hyper égocentrique et tout ça. Et en fait, je l'ai regardée sur des filles qui l'ont faite, que j'aimais bien. Et puis au final, je trouvais ça plutôt drôle. Et je voulais pas consacrer entièrement une vidéo à ça. C'est pour ça que là, je voulais faire autre chose en même temps. Il y a des trucs, j'ai commencé à les lire et j'hésitais entre être vexée ou être morte de rire. Alors, le premier, ça va être tu as le syndrome de Peter Pan niveau style. Alors, ça va vexer. En vrai, non, je pense pas. Avant, peut-être. Mais le syndrome de Peter Pan, ça voudrait dire. Enfin, je m'y connais pas à 100%, hein, mais ça voudrait dire que du coup, dans mon style vestimentaire, je reste habillée comme une enfant. Et je pense pas, parce que je suis la plupart du temps, enfin, je sais pas, les vêtements que je mets, c'est pas non plus des choses que mettraient des petites filles. Pour certains trucs, oui, mais voilà, enfin, je trouve pas pour moi. Certes, j'ai un style, enfin, je mets des couleurs qui peuvent faire penser à un style très enfantin, j'ai une chambre qui peut faire penser à une chambre d'enfant. Je pense que mon style vestimentaire se définit aujourd'hui plus en style alternatif qu'autre chose, et c'est pour ça que non, je pense pas que c'est vraiment... C'est vraiment ça. Après oui, je mets du rose, oui des fois je mets des motifs un peu enfantins, oui j'aime bien les mangas, oui j'aime bien, enfin... Je dis pas que je suis une enfant, parce que je me considère pas comme telle, mais si on compare, je sais pas, là je vais avoir 20 ans cette année, si on compare avec une autre fille de 20 ans qui a pas du tout le même style que moi, on pourrait dire que moi, oui, moi je suis plus dans... Je me mettrais plus dans la case enfant. Mais ça voilà, c'est parce que j'ai les cheveux roses, je... Regardez ma chambre, enfin voilà, mais... Mais non, je pense pas que je m'habille comme une enfant quand même. Je pense que j'ai mon style à moi, alternatif, qui des fois peut être un peu enfantin, mais qui n'est pas enfant totalement. Ensuite, tu es une personne introvertie, sinon j'adore tes vidéos. Merci, c'est gentil. Alors, introvertie, oui, mais on va dire que depuis une certaine... Enfin, j'ai l'impression de l'être moins qu'avant. En fait, le fait de travailler aujourd'hui et de ne plus être à la fac... ça m'aide beaucoup à m'ouvrir aux gens, à parler à plus de gens, même si je sais que je reste quelqu'un de discrète. Je pense que oui, je me considère comme introvertie, mais c'est comme tout le monde, je pense, une fois qu'on commence à me connaître, je suis plus trop introvertie, mais voilà. C'est vrai que c'est jamais moi qui vais vers les gens, à part si c'est une personne avec qui j'ai vraiment envie de parler, une personne avec qui je pense que j'aurai des points communs. Voilà, je reste quand même une fille discrète qui veut pas trop se faire remarquer, dit-elle, alors qu'elle a un style vestimentaire hyper... hyper voyant. Je pense que introverti c'est ce qui me définit le mieux, mais une fois qu'on commence à me connaître, pareil, non, je reste pas comme ça. Alors là, juste pour la poudre, je vais devoir me mettre une serviette sur moi parce que c'est horrible cette poudre, ce qu'elle fait comme, comme chute, et j'ai du mal à l'enlever des vêtements. Et là, comme c'est le haut que je veux garder, mais du coup, je me mets mon petit bavoir. Tu as beaucoup de facilité pour parler à de gens que tu ne connais pas, tu es sociable. Alors, pas du tout. Pas du tout, j'ai peut-être cette impression sur les réseaux sociaux parce que je sais que je parle à tout le monde sur Instagram, je parle littéralement à tout le monde. Quiconque m'envoie un message, je sais que je réponds tout le temps, à part si c'est, je sais pas, si c'est un message qui est désagréable. Et je peux paraître comme telle sur les réseaux sociaux parce que c'est l'image de moi que je veux donner, mais alors pas du tout dans la vraie vie. Enfin, je dirais pas non plus que je suis pas sociable du tout, parce qu'avec le temps j'ai réussi à améliorer ça. Je veux dire, j'essaye de parler à plus de gens, j'essaye de m'ouvrir à plus de gens parce que je me rends compte que... Bah j'aime pas être seule en fait, que oui des fois j'ai envie d'être seule mais j'aime pas l'être tout le temps. Donc du coup c'est pour ça que bah, j'essaye de m'ouvrir à plus de gens.
Mais après, voilà, je suis pas non plus la personne qui parle à tout le monde tout le temps, qui est hyper extravertie. J'ai beaucoup de facilité. Non, au contraire, j'en ai... Attendez. J'en ai pas du tout de la facilité. Parce que c'est dur de rencontrer une nouvelle personne pour moi, parce que j'ai toujours l'impression d'être jugée, forcément quand on a une tête comme ça, hein. J'ai toujours l'impression d'être jugée, et c'est pour ça que c'est difficile pour moi. Avec le look que j'ai choisi d'avoir aujourd'hui, je dis pas que si j'avais un look plus passe-partout, entre guillemets, il y a rien de négatif à ça, hein, mais je veux dire, je dis pas si j'avais les cheveux bruns, si je m'habillais pas tout le temps en rose, et si je me maquillais moins. Je sais même pas si ce serait plus simple, au contraire, ce serait peut-être plus compliqué, parce que je me sentirais moins à l'aise dans ma peau. Et aujourd'hui, je me sens plus à l'aise avec le style que j'ai, les cheveux que j'ai, enfin voilà. En tout cas, c'est sûr que j'ai plus de facilité que ce que j'avais il y a 3-4 ans, ça c'est sûr. Et le fait de se pousser, de se sortir de sa zone de confort, ça aide beaucoup, parce que si vous vous poussez pas, bah vous irez pas bien loin. Alors, personnalité de ouf qui allait peut-être pas répondre à mon DM parce que se croyait supérieure à moi. Et ça c'est Fiona, je le dis ton nom, hein, parce que du coup, sinon les gens ne vont pas comprendre. En fait, c'est Fiona qui a vu sur mon Instagram quand j'avais posté ma photo où je vous annonçais que je faisais Beauty Match. Elle a vu que je participais et du coup elle m'a envoyé un petit message en me disant « Hey, j'ai vu que t'as fait l'émission et tout, moi aussi, comment ça s'est passé, machin. » Et du coup, de fil en aiguille, on a commencé à se parler quasiment tous les jours en s'envoyant des petits messages, des messages vocaux, enfin voilà, au fur et à mesure. Certaines personnes n'ont pas compris parce qu'on ne s'est pas du tout croisés en fait sur le tournage, on n'était pas sur la même session de tournage. Mais c'est juste voilà, sur Instagram, après on s'est vu il y a quelques semaines sur Paris. Et malheureusement comme elle habite à Berlin, bah faut que j'attende juillet pour qu'elle rentre définitivement sur Paris. Oui, du coup, personnalité de ouf qui allait peut-être répondre à mon DM parce que se croyait supérieure à moi. Mais alors pas du tout. Supérieure, enfin c'est vraiment tellement pas mon truc en plus. Enfin je sais que je réponds à tout le monde que tu es 1000 abonnés ou 1 million d'abonnés, je te répondrai toujours de la même manière. Voilà, enfin... Je sais pas comment expliquer, mais c'est trop fou comme message. Et voilà, si tu passes par là, Fiona, non, quoi qu'il arrive, je t'aurais répondu. C'est plutôt moi qui étais choquée que tu m'envoies un message alors que t'avais à ce moment-là genre 22K. Et moi j'étais peut-être à 1300, 1500 et j'étais là. On s'intéresse à moi. Ensuite, t'es trop belle, si les gens te jugent, dis-moi, je les mange. Ça c'est Anne-Laure, avec qui je vais à l'anniversaire après. T'es gentille, merci. Ensuite, tu as l'air hyper gentille et ouverte d'esprit. Alors, gentille, je sais pas, je vais pas me faire un auto-diagnostic, mais je pense, je me considère, oui, comme hyper ouverte d'esprit. Je sais que je tolère tout, sauf ce qui n'est pas tolérant, entre guillemets. Mais oui, je me considère comme quelqu'un de très ouvert d'esprit. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, mais oui, je sais que je suis très ouvert d'esprit, que il n'y a rien qui me brusque tant que ça. Que oui, je suis ouverte vraiment à tout, tout, tout. Et ça, c'est, je pense que je le dois à Internet. Internet, ça nous apprend beaucoup, quand même. Ça a beau avoir pas mal d'inconvénients, mais ça m'a appris à être très, très, très ouverte d'esprit, je pense. Si j'avais pas grandi avec Internet, je pense que je serais pas la même personne aujourd'hui. Et à mon avis... Déjà je serais pas là, et à mon avis j'aurais pas les cheveux roses déjà. Ça je m'en suis rendu compte de plus en plus avec le temps, c'est que si j'avais pas été aussi, aussi autant sur internet, parce que oui moi je suis le stéréotype de la fille qui est tout le temps sur son téléphone, mais vraiment tout le temps, à part bien sûr à certains moments. Voilà, si j'avais pas eu toute cette culture internet, je pense que je serais pas comme ça aujourd'hui. Ensuite ce qui est revenu souvent c'est t'es grave timide et calme en public, et ça c'est vrai. Quand je suis avec des gens que je connais pas évidemment, je vais pas être hyper ouverte, mais je vais essayer à faire en sorte à ce que bah si quelqu'un vient me parler, je vais pas le rejeter en fait. Mais oui, sinon la plupart du temps je suis hyper timide, et ça ceux qui m'ont peut-être déjà vu de loin ou qui m'ont déjà rencontré dans certains lieux, parce que ça m'est déjà arrivé, et ils vont s'en rendre compte que je suis très très timide et que je parle pas beaucoup, que je suis vite gênée. Mais ensuite, une fois que je suis genre très très à l'aise, que j'arrive à bien parler, ça va tout seul, mais c'est juste que je pense comme pour tous les timides et les introvertis de la société, c'est un peu compliqué d'être à l'aise avec des gens qu'on connaît pas, quand surtout comme moi on a l'impression d'être H24 jugé, ça c'est horrible, j'essaye d'y remédier. on n'arrête pas de me dire que non, il faut que j'arrête de penser ça, mais c'est plus fort que moi. Parce que je me dis, avec cette tête-là, si on me juge pas, le truc c'est que je sais jamais si c'est positif ou négatif, à part quand des fois c'est des petites vieilles qui viennent me voir et qui me disent « Oh, vous êtes trop jolie !» Là ça fait plaisir, oui. Mais oui, je suis très timide et calme, c'est vrai. J'essaye de faire en sorte à ce qu'on m'oublie. Même si c'est vrai qu'avec mon style, on peut croire l'inverse. Ensuite, pareil, tu sembles très timide, ça c'est un truc qui est revenu. Oui, bah je le suis. Je sais pas si ça vous intéresserait une vidéo où je parle de... du fait de comment se pousser quand on est timide, enfin vous savez comment se pousser à aller vers les gens, etc. Parce que je pense que j'ai fait des progrès depuis
Bah depuis le début de ma chaîne YouTube aussi en fait, je pense que c'est ça qui m'a un peu beaucoup aidée. Moi j'aime pas trop être le centre de l'attention, j'aime pas trop ça. Et c'est sûr, c'est bien, c'est agréable. Voilà, donc quand je rencontre des nouvelles personnes, c'est un peu compliqué parce qu'on parle tout le temps de mon style très très vite. Et ça dépend, des fois il y a avec certaines personnes on parle pas du tout de ça. Et ça fait du bien. Mais c'est peut-être un peu pour ça qu'avant j'étais encore plus timide qu'aujourd'hui parce que j'étais pas à l'aise dans mon style en fait. J'étais pas à l'aise dans ma façon d'être et je voulais pas admettre que bah j'aimais bien tout cet univers-là et j'avais peur du regard des autres et aujourd'hui c'est vraiment devenu mais c'est même plus une barrière en fait. Donc oui, avec le temps je suis devenue de moins en moins timide, bah ça c'est le fait de travailler, de ne plus être à l'école. Et puis l'un des gros inconvénients quand on prend beaucoup les transports sur Paris, quand on a cette tête-là, c'est qu'on attire facilement le regard des dégénérés. Moi c'est en ce moment ça m'arrive tous les jours. Tous les jours des mecs chelous, je me suis fait suivre la dernière fois pour vous dire, et c'était à cause de ma tête parce que le gars je l'entendais parler, enfin voilà. On va passer au dernier, je les ai fait super vite et il y en a que j'ai sauté parce que c'était quasiment les mêmes. Alors le dernier c'était tu es restée dans ta tête une enfant mais on t'aime quand même. Alors là j'hésitais à me vexer ou à le prendre bien. Dans ma tête une enfant, pas du tout si vous saviez le nombre de choses qui se passent dans ma tête. Certes j'ai des goûts. Des fois qui peuvent faire penser à ceux d'un enfant. Mais non, je ne me considère pas comme une enfant. Je pense que les gens ont cette image-là de moi parce que j'ai les cheveux roses, parce que je fais plus jeune que mon âge. Parce que, est-ce que vous pensez qu'en voyant ma tête, les gens se disent directement que dans. Attendez, dans combien de temps j'ai 20 ans? Février, mars, avril, mai, juin. Dans 4 mois j'ai 20 ans. Est-ce que ça se voit sur mon faciès que j'ai 20, que je vais avoir 20 ans? Pas du tout. Et je le sais très bien. Et je sais très bien que je suis plus jeune que mon âge. Et ça m'embête beaucoup, mais après voilà, la phrase c'était tu es resté enfant dans ta tête. Non, enfin, je sais pas comment expliquer, mais non, je me considère pas comme avoir une mentalité encore d'enfant. Je vois pas les choses comme ça, je sais très bien quelle responsabilité j'ai. Et le truc c'est que je sais que c'est l'image qu'on va me donner quand je vais passer à la télé dans Beauty Match. On va me donner l'image de la petite fille qui aime le rose, qui aime les paillettes, et c'est pas grave parce que j'ai accepté cette image, je l'accepte. Parce que je sais qui je suis au fond. Après oui, j'adore cet univers, mais voilà, j'ai pas envie que. Je sais que c'est le risque que j'ai pris en faisant l'émission, c'est qu'on me donne cette image-là de petite fille qui est dans son monde de licorne, de paillettes, parce que son pseudo c'est Urban Unicorn. Oui, je peux comprendre qu'on pense que je suis comme ça, parce que pareil, dans les artistes que j'écoute, si vous observez bien, par exemple, j'écoute Mélanie Martinez, Poppy. Dernièrement, je me suis remis à écouter du Carrie Pamiu Pamiu. C'est des artistes qui ont des univers très très colorés. C'est vraiment des univers très colorés, très girly et qui sont à la limite de l'enfantin presque. Je pense que je me fais beaucoup influencer par tous les artistes que j'aime et c'est pour ça que je suis comme ça aujourd'hui. Je sais que des fois, il y en a, ils le disent pas de façon péjorative, mais moi, je le prends péjorativement péjorativement en fait. Voilà, c'est parce qu'on me l'a tellement dit tout le temps que j'étais une petite fille toute mignonne. Je sais que malheureusement le fait d'avoir un style comme le mien qui est hyper... qui est pas très passe-partout quoi, c'est un peu, oui, ce qui reflète la personnalité que j'ai toujours été quand j'étais petite en fait. C'est que j'aimais le rose, j'aimais les Barbie, j'aimais... Après bien sûr il y a plein de garçons pour qui ça a été le cas, mais pour moi c'était voilà, j'étais très girly. J'ai eu ma période dark, quand je pense comme tout le monde, la période un peu émo, un peu pseudo-gothique, mais je me suis toujours tournée vers des styles très alternatifs, j'ai jamais vraiment voulu me fondre dans la masse en fait, à part au collège où je voulais qu'on me laisse tranquille, donc forcément, je cherchais à me fondre dans la masse. Et je pense qu'aujourd'hui, le style que j'ai, c'est une revanche sur toutes mes années où j'ai pas pu être moi-même. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'y vais en full extravagance. Ceux qui me suivent depuis très très longtemps, je pense que vous avez dû voir à quel point ma personnalité a évolué en fait avec le temps. Je me suis créé une espèce de grosse carapace parce que je me suis tellement laissée atteindre sur ma personnalité, sur comment j'étais, sur mon style. Je me suis tellement laissée influencer par les autres parce que j'étais timide, parce que voilà, parce que je me laissais faire. Que aujourd'hui, je pense que j'ai plus envie d'être cette fille-là. Si vous regardez bien mon style de quand j'étais au lycée, si vous remontez dans mes anciennes vidéos, dans mes anciens posts Instagram, vous voyez que je commençais déjà à me tourner vers un style très alternatif. Et ça, forcément, ça plaît pas beaucoup aux gens, parce qu'on n'a pas le même style que les autres, et forcément, c'est un peu plus compliqué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis créé une sorte de carapace, et que certes, ça va me faire peur quand je vais passer à la télé sur Beauty Match, parce que je vais vouloir aller sur Twitter et voir ce que les gens disent sur moi et que je vais sûrement m'en prendre plein la tronche. Et ça, j'ai l'habitude parce que ça m'arrivait déjà en vrai au collège et au lycée. Donc, parce que par exemple, bah, Fiona, la dernière fois quand je l'ai vue sur Paris, si vous ne saviez pas Fiona, Fiona Oslo sur Instagram,
elle a fait Beauty Match et elle m'a montré tous les gens qu'elle a été obligée de bloquer sur les réseaux sociaux parce que les gens commençaient à trop aller dans sa vie privée, trop la harceler. Et bah je me suis dit, ah oui quand même. Je vous dis pas d'être quelqu'un sans cœur, qui s'en fiche de la vie des autres, mais je vous dis juste de ne pas trop vous attarder sur la vie des gens, parce que le nombre de messages que je reçois sur Instagram de gens qui me disent bah j'aimerais bien avoir le même style que toi, j'aimerais bien me colorer les cheveux. Il y en a qui me disent que c'est parce que les parents ne veulent pas, et ça je peux comprendre, attendez d'être majeur et ensuite vous faites glisser la petite coloration direct comme ça. Moi j'ai pas attendu d'être majeur, enfin si j'étais majeure. Moi je sais que ça me fait un bien fou de me regarder dans le miroir le matin, à part quand je suis pas maquillée, là ça me fait pas un bien fou, mais de me regarder dans le miroir le matin et de me dire bah, que j'ai le style que j'ai toujours voulu avoir. Certes ça peut être bête de se baser juste sur un physique, mais moi je sais que je me sens bien quand je suis bien maquillée, quand je suis bien habillée, donc c'est tout bête en fait. Et enfin ouais, tout ça pour dire que certes j'étais beaucoup plus timide que je ne le suis aujourd'hui, et ce qui m'a aidée c'est vraiment d'être dans le monde du travail aujourd'hui, de parler à plus de gens. Je fais aussi souvent le premier pas quand je reprends contact avec quelqu'un, ce qui s'est passé dernièrement. J'essaye de faire le premier pas, même si bah, j'ai toujours peur de déranger, toujours peur de me dire qu'est-ce qu'elle va penser la personne, est-ce qu'elle a envie de me parler. C'est dur des fois de ne pas être capable d'encaisser émotionnellement tout ce qui se passe parce que ça fait trop d'un coup, et des fois il faut savoir lâcher prise en fait. Il n'y a pas de mal à pleurer. Moi je sais que c'est ce qui m'aide beaucoup parce que je suis quelqu'un de très renfermé et je montre pas forcément, enfin ça dépend avec qui, mais je montre pas forcément comment je ressens les choses, je le dis pas forcément quand quelque chose me dérange, à part quand vraiment ça commence à faire trop et que là il faut que je le dise. Je sais pas vous, mais je sais qu'en tant que personne du coup un peu introvertie, je pense, ça fait du bien de lâcher prise de son côté toute seule quand il y a personne à côté. Et ouais voilà, juste de lâcher prise et ensuite de revenir encore plus forte. Je dis pas que internet a résolu tous mes problèmes hein, mais ça m'a beaucoup aidée à être plus forte et à prendre mieux la critique et à être moins timide, surtout avoir moins peur des gens. Ça me tient à cœur pour moi de montrer que certes mon look montre un petit peu ma personnalité, mais pas tant que ça en fait. Après oui certes, si la première chose que vous pensez en me voyant c'est que je suis une nana hyper fleur bleue, sensible, etc. Alors là oui, totalement. Et j'ai aussi ce côté hyper avec une carapace, en mode si on m'attaque, bah je me ferme parce que j'ai pas envie que ça me touche. J'ai pas envie que ça me blesse comme avant. Quand j'ai de la critique, soit j'y réponds avec humour, quand je relativise, soit d'abord je passe par une phase où... ça m'énerve, mais après voilà, j'essaie de relativiser, de me dire comment je me sens moi. Si on m'attaque sur mon physique, est-ce que ça m'importe autant que ça? Comment je me sens moi vis-à-vis de ça? Et après je me rends compte que bah, si moi je suis bien, bah c'est le problème des autres en fait. Après voilà, moi c'est peut-être parce que bah, le make-up et tout ça c'est là où je vais évoluer, même si je sais pas trop encore où j'en suis, mais même si c'est parce que c'est là où je vais évoluer, où je veux évoluer, je le sais, c'est peut-être pour ça que j'ose peut-être plus de choses, mais vestimentairement parlant aussi je pense pas avoir un look hyper tape, enfin quand même, mais là aujourd'hui regardez, j'ai un truc noir tout simple. Après oui je vais mettre un truc extravagant forcément parce que je peux pas m'habiller simple, je peux pas. C'est juste, c'est trop boring pour moi, c'est trop ennuyant et voilà, j'ai besoin de cette petite touche de peps. Donc c'est ici que termine cette vidéo, je viens de me rendre compte que je suis habillée et coiffée exactement pareil que quand je vous ai montré ma nouvelle couleur de cheveux. Ce n'est pas le même jour, je vous assure, c'était il y a une semaine maintenant, donc ouais. Et donc du coup voilà, c'est ici que se termine cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura un petit peu diverti. Je sais qu'à la fin c'est parti en racontage de vie, mais voilà, c'est un message qui me semble important de faire passer parce que moi je suis quelqu'un qui est pour l'acceptation de soi tel qu'on est, vraiment je suis j'adore quand je vois quelqu'un dans la rue qui a les cheveux colorés, qui a un style différent du mien. J'aime pas ce qui est banal, je dis pas que c'est mal, mais mes goûts personnels à moi c'est que je n'aime pas quand c'est banal. J'aime bien quand il y a cette petite touche d'originalité et voilà, c'est le message que je veux faire passer sur ma chaîne, c'est que il faut oser, faut pas avoir peur, et même si des fois ça peut être dur avec le regard des gens, notre situation familiale, notre environnement, je sais que ça peut être dur, mais voilà, il faut oser, et c'est ce message-là que je vais faire passer. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous sur le petit bouton rouge, pardon, et à activer la petite cloche pour recevoir une notif à chaque fois que je poste une vidéo. Je vous invite également aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, donc mes pseudos sont dans la barre d'infos et à la fin de la vidéo. Et du coup, moi je vous retrouve dans ma prochaine vidéo qui sera un haul make-up, et j'ai hâte parce que j'ai plein
plein de choses dont j'ai envie de vous parler, de choses que j'ai utilisées aujourd'hui, c'est pour ça que je ne les ai pas détaillées. Tout sera écrit dans la barre d'infos, mais je vous en ai pas parlé oralement parce que je garde la petite surprise. Donc voilà, je vous fais des bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!